La femme du boulanger est un film français réalisé par Marcel Pagnol, sorti en 1938, adapté d'un épisode du roman Jean le Bleu de Jean Giono. Pagnol avait déjà adapté trois œuvres de Giono. Geoffroy de la Maussan donna le film Geoffroy en 1933. Un de Beaumugne devint Angèle en 1934 et Regain, qui fut porté à l'écran sous ce même nom en 1937. La femme du boulanger est donc le dernier film de la période Giono. Petit résumé. Dans un village de Haute-Provence, un boulanger récemment installé découvre un matin que sa jeune femme est partie avec un berger piémontais. Dévoré par le chagrin, il décide alors d'interrompre son travail tant que sa femme n'est pas revenue. Le village, ainsi privé de pain, se mobilise afin de retrouver sa boulangère. La jeune épouse finit par regagner le foyer conjugal. Le boulanger identifie sa femme à la petite chatte, Pomponnette, qui vient de sortir de sa cachette, et s'adresse à l'animal en des termes plutôt directs et qui lui permettent de dire à sa femme, à laquelle il vient de pardonner, tout ce qu'il éprouve. Le retour de Pomponnette est sans doute le monologue le plus emblématique de ce film, interprété magistralement par Rému. Pardon. Pardon de quoi ? De ce que j'ai fait. Ce que tu as fait ? Qui te le demande ? Tu le sais ? Forcément que je le sais. Je t'ai fait du mal ? J'ai été beaucoup inquiet. Parce que tu me l'avais pas dit. Tu pars, toi, comme ça, quand ça te prend. Et tu m'avertis pas. Tu me dis même pas où tu avais mis la boîte du café, ni mes mouchoirs, ni mon bouton de colle. Je le cherche partout depuis 2 jours. Tu as eu envie de voir ta mère. Je le comprends, je te le reproche pas. T'as pas voulu me le dire parce que je suis un peu trop autoritaire. D'accord, je le comprends. Mais ta mère, est-ce qu'elle ne pouvait pas envoyer un télégramme? Est-ce qu'elle ne pouvait pas me rassurer? Enfin, tout de même, elle a été raisonnable puisqu'elle t'a renvoyé tout de suite. Tu n'as pas eu froid au moins? Qu'est-ce que ça peut faire? Beaucoup. Maintenant que je suis si content de te revoir, tu vas pas me faire une maladie. Viens t'asseoir. Viens, ne reste pas là. Assieds-toi, ma belle. Assieds-toi là. Tu dois avoir faim. Tiens, j'avais préparé à manger pour moi, parce que je savais pas si tu reviendrais ce soir. Mange, va. Moi, j'ai pas faim. Ne me pardonne pas comme ça. Ça me fait mal. Ah, ne me parle plus de pardon, parce que tu finirais par me donner des idées. Ça t'étonne de me voir pétrir à ces heures-ci? Je ne sais pas. Écoute, il faut que je t'avoue quelque chose. Depuis que tu es parti, je ne me suis pas bien conduit. N'aie pas peur, ce n'est pas bien grave. Mais enfin, comme j'étais seul, j'en ai profité pour boire des apéritifs. Eh oui, c'est une envie qui m'est venue, comme ça, bêtement. Une espèce de coup de folie. Un coup de folie, ça peut tomber sur tout le monde. D'ailleurs, ça m'a rendu malade comme un chien et aujourd'hui, je n'ai pas fait de pain. Alors, dans le village, ça les a bien ennuyés et je leur ai promis de leur en faire pour ce soir. Voilà la vérité. Et celui-là, qui est-ce qu'il a fait ? C'est moi. Il a une drôle de forme, une forme comique. Je l'ai cuit dans le four du poêle de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte là-dedans, au hasard, et regarde un peu comme cette pâte est allée tomber. Enfin, je n'ai fait que celui-là pour toi. Enfin, pour moi, je dis pour toi parce que c'est toi qui vas le manger. Mange, Aurélie, fais-moi ce plaisir. Mange. Aimable, une bonté comme la tienne, c'est pire que des coups de bâton. Que veux-tu ?
La bonté, c'est difficile à cacher. Alors excuse-moi, je ne le fais pas exprès. Et je te demande pardon. Tu sais tout ? Moi, oui. Tout ce qui concerne le pain. Et ça me suffit. Je ne veux pas savoir rien d'autre. À quoi ça me servirait ? À ne pas être ridicule. Tu veux pas que je sois ridicule ? Non. Ah, c'est la première et la seule parole d'amour que tu m'édites. Alors, je sais plus quoi faire. Te voilà, toi. Regarde, la voilà, la pomponnette. Garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens? Et le pauvre Pompon, dit, qui s'est fait un mauvais sang d'encre pendant ces 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre, il était. Et elle, pendant ce temps-là, avec son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune, qu'est-ce qu'il avait dit de plus que lui ? Rien. Toi, tu dis rien. Mais elle, si elle savait parler, ou si elle avait pas honte, ou pas pitié du pauvre Pompon, elle me dirait, il était plus beau. Et qu'est-ce que ça veut dire, beau ? Qu'est-ce que c'est, cette petite différence de l'un à l'autre ? Tous les Chinois sont pareils, tous les nègres se ressemblent. Et parce que les lions sont plus forts que les lapins, c'est pas une raison pour que les lapines leur courent derrière en clignant de l'œil. Et la tendresse alors, qu'est-ce que tu en fais? Dis, ton berger de gouttière, est-ce qu'il se réveillait la nuit pour te regarder dormir? Est-ce que si tu étais parti, il aurait laissé refroidir son four s'il avait été boulanger? T'es, voilà, elle a vu l'assiette de lait, l'assiette du pauvre Pompon. Dis, c'est pour ça que tu reviens? Tu as eu faim et tu as eu froid. Va, bois-lui son lait, ça lui fera plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. Parce que si tu as envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ça serait moins cruel. Non, elle ne repartira plus. Plus jamais. Et qu'est-ce que tu as, Aurélie? Et qu'est-ce qui te prend? Je ne sais pas. Je ne suis pas bien. Si tu allais te coucher? Non, je veux rester près de toi. J'ai froid. Écoute, c'est le moment de rallumer le four. Viens, ça nous réchauffera tous les deux. Ah oui, ça serait bien, ça serait juste. Il s'éteint quand tu t'en vas, et tu l'allumes quand tu reviens. C'est naturel. Ah, cette fumée, j'ai beau en avoir l'habitude, elle m'a toujours fait pleurer.